Salut tout le monde, je viens de me rendre compte que ça fait 2 minutes que je parle de nouveau sans le micro. Je sais pas pourquoi mes raccourcis Stream Deck ne fonctionnent pas. Normalement, c'est pas comme ça que ça doit aller. Ça m'énerve. Bon, soit. Du coup, bah, j'espère que vous allez tous bien. Je recommence mon petit speech. Je suis vraiment désolée pour le retard, mais voilà, c'était l'anniversaire de ma maman et j'avais vraiment envie de la voir quand même aujourd'hui. Et c'était pas possible pour moi d'y aller après le live, donc parce que j'ai autre chose de prévu. Donc voilà. Je suis vraiment désolée pour ce retard. Du coup, vous avez peut-être déjà vu le trailer, comme je disais. Moi, je l'ai pas encore vu. On va regarder ça ensemble. Ça m'énerve que. Pourquoi c'est. Enfin bref, je regarderai ça après sur Stream Deck. Là, ça m'énerve que ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Mais soit. Du coup, on va balancer le truc. Je vais enlever le son parce que c'est sûrement une musique sous licence. T'as encore rien vu, Michael? Bon, je voulais attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Maintenant, peut-être que les gens ont déjà un peu regardé. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur Twitter. T'as pas encore vu non plus, toi? Eh ben voilà, on va vraiment découvrir ça ensemble alors. Bon. Alors, je coupe sur Twitch parce que sur Twitter parce que sinon je vais le voir sur Twitter, ce serait dommage. Et on va lancer ça. On va avancer ça du coup aussi parce qu'on n'en a pas besoin. Et hop, 3, voilà. Et bah, j'espère que vous êtes prêts. Franchement, j'ai hâte de découvrir ça, donc on va regarder. Satisfaction, déception ou entre les deux, j'avais pas vu ton message, Michael. On va regarder, on va découvrir ça. Donc, bah, comme d'hab, pour le premier, le premier visionnage, je laisse aller et puis après, on détaillera un peu plus. Et donc, bah, on regarde ça en une fois d'abord, bah, sans musique, désolé du coup, mais. Voilà. Ouh. Ouais, ça passait ça des cadres, mais. Donc, il fait sa demande. Ça, j'imagine que c'est le nouveau monde parce que ça me dit rien. Donc, la demande en mariage, c'est toujours pareil. Je ne sais pas s'il y a des paroles. Il n'y a pas de sous-titres. Je lis le monde. Je ne sais pas très bien quel style de monde c'est. Ah, plutôt grec, apparemment. Les nouvelles robes de mariée que je. De ce que j'ai vu, c'est pas génial, génial, mais enfin. Ok, ils vont goûter les gâteaux. Ils sont pas d'accord. Les bouquets, ils sont pas d'accord. Alors, elle a l'air un peu déçue de son mariage. Il va falloir qu'on regarde ça avec le son après, mais. En fait, elle va tomber amoureuse de l'organisatrice de mariage si ça continue. Oh, le pauvre. Sympa. Ah bah ils sont toujours amis, ça va. Ah du coup c'est le deux les mariés. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on. Il va. Oh, c'est mignon. Il va falloir faire. Oh, il amène les alliances et tout. Excellent, ça va, il est pas rancunier. J'ai trop de choses à dire en même temps. Bon, ça, c'est l'animation qu'on connaît déjà. Espérons que les Sims finissent par s'asseoir. Hein. Ah, il a trouvé. J'aime trop le riz qu'il lance. Ah, un slow! J'ai vu un slow! Trop fort. Il y a Pixie qui fait un petit coucou. J'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour, la pauvre. Ça va, ma poulette? Merde! Ouf! De justesse. Bon, je suis désolée pour le manque de musique. Je me demande si c'est une mise en scène le fait qu'on puisse prendre des screens et les mettre en photo sur le mur comme ça, parce qu'on peut pas encore faire ça, donc elles vont renouveler leurs vœux. Il y a pas mal de belles choses en tout cas, j'ai l'impression. Après les. Ah, donc c'est bien le 17 février.
Les robes de mariée, la musique est très sympa, oui, je n'en doute pas, mais le problème c'est qu'elle est sous licence probablement. Alors, je vais juste vérifier si on n'a pas déjà le trailer avec une musique qui n'est pas sous licence. Mais Hey, Pixie! Arrête! Hop! Dommage. Je n'ai pas encore le trailer sans la musique, c'est dommage. Alors attendez, hein. Ouais, non, là-dedans, il n'y aura pas. Il n'y aura pas ce que je veux, donc ça n'ira pas. Bref. C'est vraiment embêtant sur musique. On va juste mettre un peu de musique, du coup. Merde, c'était pas celui-là. Un peu de musique qui n'est pas sous licence en attendant, comme ça. Sont rapides. hop. Oups. Et on va regarder ça. Voilà, comme ça on a quand même un petit peu de son. Alors par contre, du coup. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Même si le thème ne m'attire pas des masses, quand je dois marier mes Sims, je le fais souvent sans cérémonie à la va-vite. Salut Meliawan, t'as failli louper rendez-vous. Salut Sig. Et salut à tous ceux que j'ai pas dit coucou. Je l'ai vu, mais pas bien, alors me voilà. Oh là là, ce pack, la musique est très sympa, il a l'air sympa. Eh ben écoutez, on va se refaire ça, gentiment. Je suis désolée, hein, c'est un live à l'arrache, mais... On va faire un peu des pauses pour vérifier un peu tout ça. Alors déjà, il y a une nouvelle bague. Ici. Donc ça, c'est sympa. Et j'ai l'impression que ce vernis-là, on l'a pas non plus. Mais bon. On a un nouveau truc à thé aussi, parce que c'est une petite tasse que je connais pas, ça, il me semble. Ensuite... Donc déjà, on peut faire un gâteau en le décorant, ça c'est plutôt sympa. Et apparemment, bah, c'est elle qui s'est mariée et qui se remémore ces trucs. Donc ça, c'est nouveau aussi, c'est un nouveau bouquet. Il m'intrigue vraiment. Pardon, excusez-moi. C'est ces photos au mur, je sais pas si on... Parce que... Ça ressemble vraiment à des screens qu'on pourrait prendre nous. Maintenant, vous allez me dire, c'est peut-être juste un sim qui prenait ça en photo, mais c'est vachement bien cadré et tout, comme un screen. Je sais pas. Mais du coup, ça me perturbe. Mais à mon avis, c'est moi qui me fais des films. Je me demande ce que c'est, ça. Mais c'est joli. Ça, je vois pas très bien ce que c'est non plus. Ah si, c'est quand elle l'embrasse, je pense. Ouais, mignon. Bon, la musique n'est pas très raccord avec l'ambiance, mais... Donc bah la demande en mariage, ma foi, c'est un peu pareil. Alors je vois qu'on a des nouveaux arbres, ils sont sympas ces arbres-là, j'aime beaucoup. Salut Eul, non, t'as pas raté grand-chose, on a visionné une fois le trailer et on est en train de le re-regarder de nouveau. La musique m'énervait. Attendez, parce que j'aime pas ce style de musique là, c'est chiant. Calme. Peut-être pas ça quand même. Bon, y a pas de musique? Allez, hop. Donc oui, les arbres sympas, j'aime bien. Eh ben écoute, je n'ai pas de première impression parce qu'il y a eu trop de choses en même temps. Et j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y avait de nouveau en fait. Donc, My Wedding Stories. Donc jusque-là... Oh, vous savez quoi? Ce que c'est cette musique-là? C'est la musique que je mettais avant de jouer à Life is Strange 2, ça me rend toute nostalgique.
en fait, ce que je voulais revoir. Je crois que c'est cette musique-là, c'est ce truc-là, c'est quoi ça? J'ai envie de tourner avec ma souris. Je me demande ce que c'est. C'est un pont ou c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, on a une nouvelle table ronde ou c'est celle qui vient avec... Non, à mon avis, il montre pas des trucs des autres packs, donc... Ah, un mât de bateau peut-être, ouais, peut-être. Des nouvelles chaises de mariage. Un voilier, ouais. Vous êtes plus futile que moi. du coup, sinon, on a un nouveau cadre ici, des nouvelles banderoles. Je pense que c'est une nouvelle étagère. Tu vois le live en 144p. Ah, et bah ça, ma foi, il faut que tu modifies. Moi, j'ai bien vérifié sur Twitch, en tout cas. On peut choisir le rendu. Déco toute mignonne. Moi, je suis pas très fan de ce que je vois là, mais bon, après, c'est parce que j'aime pas l'association des couleurs, en fait. Mais bon, voilà. Il y a des nouvelles fleurs ici, une nouvelle table. Ça, je sais pas si c'est un nouveau fauteuil. Mais voilà. Table, chaise, nouvelle étagère, une nouvelle lampe, nouveau cadre. Sinon, ici, dans les habits, bah, ça c'est peut-être neuf, j'aurais pas vraiment dire, mais il y a le nouveau petit truc à thé, là, qui est vraiment tout mignon. Très joli. Il y a des nouvelles tentures, qui sont très sympas aussi, ça change un peu de ce qu'on a, tiens, justement. Alors oui, effectivement, il y a des nouveaux fauteuils. Encore un genre pas très simple, pas très comme on a, nous, dans notre salon. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce genre de canapé chez eux, mais bon, voilà. Et donc là, je suppose qu'elle lui demande si elle veut bien organiser son mariage. Et du coup, elle est contente. Et je me demande du coup si c'est une carrière qui vient avec ou pas. Les banderoles, c'est bizarre, ouais. Elle organise les mariages, mais elle a le cœur brisé. Elle est triste. Enfin, soit. Alors, donc ça, c'est le nouveau monde. Ça ressemble un peu à Windenburg. Pour ce petit côté ici. Par contre, là... Je sais pas très bien quel style de maison c'est, ça. C'est difficile à dire. Mais bon, ça change un peu de ce qu'on a, mais je sais pas. Après, c'est joli, l'endroit est sympa. Donc il y a un magasin où on peut aller choisir des robes de mariée et tout ça. Apparemment, j'aime bien l'ambiance de la ville. Les fenêtres sont sympas, j'aime bien. La porte aussi. Est-ce qu'on aurait des nouveaux types de magasins? Je ne sais pas. On voit pas trop grand chose du monde. Bah, moi je trouve que tant mieux, parce que du coup ça nous laisse la surprise. On a un nouveau parasol ici, fermé. C'est sympa. Ah, de l'eau on pourra construire, oui, ok. J'aime bien quand il y a la mer, moi aussi. J'aime bien quand il y a de l'eau dans les Sims. Bon bah voilà, le monde... ouais, on peut pas en dire grand chose pour l'instant. Ah, attendez. Hop. Alors, ça fait un peu grec, mais pas ça, enfin, je sais pas, Portugal, je sais pas. Oui, je pense aussi qu'on va faire du lèche vitrine comme dans Hanford and Bagley, ouais, je pense aussi. Ah, vous avez l'impression que c'est quelle inspiration pour le monde, vous? Méditerranéen quand même un peu, non? Donc elle s'imagine en robe. Cette robe-là est sympa. Celle-là, j'aime pas trop. Ça non plus. Et ça, ma foi, bah, c'est un autre genre, quoi. Donc ça va, c'est sympa. Mais moi, je préfère les robes. Donc, j'espère qu'il y en a d'autres, des robes de mariée. Donc là, elles ont trouvé la robe de mariée. Du coup, ils vont goûter le gâteau. Ça, c'est plutôt sympa. Ils peuvent aller... Je sais pas comment ça va se passer pour goûter le gâteau. Les robes seront dans le casse direct. Bonne question. Un mélange pour le monde, ouais. En résumé, méditerranéen. Je pensais que ce serait genre Espagne. Monaco, Bretagne. Bretagne? Pas comme ça en Bretagne, si. Enfin, c'est vrai que je sais même pas si je suis déjà allée en Bretagne. C'est joli en tout cas, oui.
Tiens, est-ce qu'ils vont nous refourguer ça qui vient avec Enford and Bagley dans le nouveau pack et qu'on aura encore acheté un truc pour rien ou... Donc là, bah, ils goûtent les gâteaux. Je me demande vraiment comment ça va se passer. En tout cas, la petite vitrine est plutôt sympa, j'aime bien. Là, on peut acheter des bouquets. Parce que c'était ce bruit. Oups, ça c'était ma chaise. Je me demande si on peut acheter des bouquets du coup. Ils sont d'accord sur rien, les pauvres. J'aime beaucoup cet endroit, en tout cas j'aime beaucoup les pavés un peu mosaïques comme ça, c'est très très joli. J'ai l'impression que c'est une nouvelle robe pour petite fille. Ça, je sais pas si c'est une nouvelle robe, mais ça a l'air sympa. J'aime beaucoup les arbres là, je sais pas si c'est ceux qui viennent avec chien et chat. Donc là, je suppose qu'ils font une répétition ou un truc comme ça. Je vais quand même juste vérifier ce que Pixie fait. Elle fait des bruits bizarres. J'arrive. Bon, mes touches de Stream Deck ne fonctionnent plus, ça m'énerve. Soit. Pardon. C'est un drôle de mélange, ouais. Pas d'aspiration ou de trait de caractère. Bah, aucune idée, du coup. Alors, je pense ça, je pense que c'est une nouvelle chemise avec une cravate défaite. Ça, j'ai l'impression que c'est une nouvelle robe, mais je suis pas sûre. Ça, c'est une nouvelle robe. Ça, c'est une nouvelle coiffure aussi. Sinon, je me demande ça, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air nouveau. Et ça... Je sais pas si c'est le truc qui vient en récompense, là, du rencard. Ouais, j'ai vu. Il a été refusé en arrière-plan, ouais. Ah putain, j'avais mal appuyé. Ah, ça m'énerve, c'est encore... ça m'énerve, ça me met le mauvais poil à chaque fois. C'est, franchement, ce truc de micro là, c'est casse-pied. Non, c'était... j'avais mal appuyé et comme mes touches Stream Deck fonctionnent plus, enfin bref. Donc je disais, bah du coup je vais reprendre, hein, parce que comme d'hab, je parle dans le vide. C'est encore Pixie qui fait du bruit. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Ouais, que je trouvais ça très romantique. Que j'aimais beaucoup le gros arbre aussi. Et oui, on était à l'arbre. non, mais je suis relax, mais c'est casse-pied quand t'as du matériel que t'as acheté 150 balles et qui marche pas. Et que tu te retrouves à parler tout seul comme un con devant ton micro. Et voilà, c'est tout. Je disais donc que c'était romantique, que ça me faisait penser à Brindleton Bay, parce que, je sais pas, avec les trucs en bois comme ça. Et puis un peu le sable, je sais pas, ça me fait penser à
Brindleton Bay. Et puis, je disais que j'aimais bien cet arbre-là. On dirait un olivier un peu. J'ai pas l'impression qu'on l'ait déjà, cet arbre. Mais voilà, c'est tout ce que je disais, en gros. Non résidentiel, je sais pas. Il y a quand même une maison ici. On en avait une autre avant. Bon, bah là, elles font leur coming out, ou je sais pas comment on doit dire. Et donc, nouvelles fenêtres qui sont sympas pour faire des trucs style église et tout ça. Une nouvelle petite robe, il me semble. Je connais quand même moins le jeu qu'avant au niveau du caisse, parce que ça fait longtemps que j'ai plus joué. Il y a une nouvelle coiffure. Ça aussi, c'est une nouvelle coiffure. Ça aussi. Elle a l'air très sympa, d'ailleurs. Et les hommes, plus difficile à dire. Les petits bouquets sont nouveaux. Peut-être qu'il y aura une... Oui, je disais justement que c'est... au moment où je parlais et qu'on m'entendait pas, que c'était mystérieux, le gros arbre. Il doit peut-être cacher quelque chose. Donc les petits bouquets sont nouveaux aussi. Couleur de fenêtre, ouais, faut voir. Après, c'est sûr que c'est pas le genre de fenêtre que je mettrais sur une maison, mais voilà. Et du coup, les toiles aussi, c'est nouveau. On dirait... Ça fait un peu étoile juive, entre guillemets. Je sais pas, c'est marrant. J'aime bien. Ça, ça a l'air nouveau aussi, je sais pas trop ce que c'est. Il y a des nouvelles chaises aussi. Mais ouais, et un nouveau tapis d'ailleurs, il me semble. Les nouvelles coiffures ont l'air vraiment sympas, donc ça c'est la même. Ça, je sais pas si c'est une nouvelle, mais celle-là, elle a l'air chouette. Et ça, c'est pour petite fille, mais en cours. Ça changerait un peu. Non, c'est bien. Ah, celles-là sont sympas aussi de fenêtres. Hein. À mon avis, c'est celles-là. Elles existent, pardon, sans couleur aussi. Ça m'étonnerait pas vu qu'on a celles-là sans couleur. J'aime vraiment. Oh, il y a la version petite. J'adore ces bouquets de fleurs. Ils sont magnifiques. C'est très très beau. Elle est trop chou. Sa petite robe est trop mignonne. Hein. Les fenêtres rondes, yes. Nouvelle robe. Elle est sympa cette robe, hein. J'aime bien. Sa tête. Il est mignon le Sim, j'aime bien. J'ai l'impression qu'il y a un peu des deux sur le tapis. Qu'il y a un nouveau tapis et qu'en plus il y a le reflet des fenêtres, ouais. Oui, il y a un tapis, mais je pense que les fenêtres reflètent un peu dessus aussi, j'ai l'impression. J'adore la musique que j'ai mise, qui est ultra triste. Elle est triste pour lui, en fait. J'adore la façon dont elle met les doigts. Oups. Je me demande si ça représente des nouveaux trucs, ça. Ou si c'est juste... l'illustration pour le trailer. Ah oui, attendez. À mon avis, c'était le nouveau monde, ça. Mince. Ouais, il y a pas mal de flottes. Ça ressemble... C'est vraiment ce monde. On dirait vraiment un mélange de plusieurs mondes qu'on a déjà. C'est un peu... C'est bizarre. Je suis curieuse de voir vraiment à quoi il va ressembler. Le voile est très joli. Et apparemment, il vient pas avec la coiffure, parce que c'est une coiffure qu'on a déjà, ça. Celle-là est superbe aussi. Très très beau, la broche dans les cheveux. Et sa robe est belle aussi, j'aime bien. Un photographe de mariage, ouais, peut-être. Une nouvelle fontaine aussi, j'ai l'impression. Oh, les nouvelles chaises ici, elles sont trop mignonnes. Ça, c'est une nouvelle arche. Elle est superbe, l'arche. C'est une vraie arche de mariage, ça. On a un nouveau piano aussi. Nouvelle robe. Ça aussi, c'est une nouvelle robe. Ça a l'air sympa. Ce petit panneau est très mignon aussi. L'arche est très belle, ouais. Une interaction avec l'arbre, ça m'étonnerait pas, ouais. Ça, c'est des nouveaux arbres aussi. Là, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air nouveau. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? On dirait Simguru Ninja. Ok. Cette robe a l'air trop belle. Franchement, l'arche, elle est trop belle. Et en plus, on dirait qu'il y a des guirlandes lumineuses. Donc le soir, ça doit être sympa. Cette robe-là a l'air sympa aussi.
le piano. C'est trop mignon qu'il y ait des enfants d'honneur qui amènent, enfin qui lancent des pétales et qui amènent les alliances. Franchement, j'adore. Je suis fan de cette robe. Sa tronche à celle-là, elle a des dents trop bizarres. Et franchement, trop mignon. Ouais, ça c'est nouveau, j'ai l'impression. Ou c'est le truc qui est venu en mise à jour gratuite, je ne sais plus. Et apparemment, on a un sim qui officie le mariage, maman. Ce serait cool. L'arche de la mariée est très jolie sur tout le dos. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau. Du coup, j'aime beaucoup cette coiffure courte. C'est très féminin, j'aime bien. Non, elle n'a pas de nouveaux bijoux. Bon, là, il tombe amoureux. Il y a des nouvelles boucles d'oreilles, par contre. Ça aussi, c'est nouveau. Je sais pas si, à mon avis, Pixie frotte le micro bientôt. Voilà. Hop. À mon avis, ça vient avec la tenue qui est assez sympa, j'aime bien. Ou bien les enfants avec le petit panier, ouais. Je suis curieuse quand même de voir s'ils vont vraiment faire ce genre de truc après le mariage. Je sais pas comment ça va se passer. Alors, on a un slow. Ça, je suis trop contente. Mais trop contente. Enfin, un slow. Bon, après, ils sont à 5 mètres l'un de l'autre, mais on a un slow. On a une nouvelle table de bouffe. Ça, je sais pas trop bien ce que c'est, mais c'est sympa. Apparemment, des nouvelles lampes. Parce que c'est... Salut, Katichou. C'est pas grave si t'as tout raté, tu regarderas en replay s'il faut. oui, la danse. Alors, on a aussi ce nouveau truc qui fait évidemment très mariage. Je me vois pas mettre ça dans mon jardin, mais pour organiser un mariage, c'est trop bien. Franchement, c'est super beau. Donc, ça me satisfait. Mais le slow, je suis trop contente, franchement. Il faisait pas ça avant non plus comme danse. Hein. Lui, il bouffe le gâteau. On a un nouveau paravent aussi. J'espère qu'il y aura d'autres danses de couple. Bah, j'espère aussi qu'ils pourront se serrer un peu plus. Elle porte un toast. Ouais, vous voyez, la fenêtre ronde ici, elle est colorée. Donc à mon avis, les autres qu'on a vues colorées, elles doivent sûrement être dispo en non coloré. Le gâteau de mariage, franchement, il est superbe. Ça change un peu de ce qu'on avait jusque-là. Il y a des fameux bouquets aussi, hein. Donc c'est plutôt sympa. C'est trop mignon, comme elle l'a regardé avant. Et alors le jeté de bouquet, ça c'est plutôt sympa aussi. Franchement, on va s'éclater. Sorti le 17 février, oui, tout à fait. Lui, il en a rien à... Oh ! Mais... Remets-moi où j'étais. L'autre, là, derrière, il en avait rien à secouer, là. Donc c'est elle qui le reçoit. Et quand l'autre le reçoit... l'envoie, pardon, c'est lui qui le reçoit. Et donc ils vont se marier ensemble. Bon, du coup, j'ai pas regardé les nouveautés avec ça. J'avais loupé le passage où c'est elle qui envoie, en fait. J'espère qu'il y a des bouquets moins colorés aussi. Trop chou. Le jour de ton anniversaire? Je dirais qu'il y en a au moins deux, elles ont l'air synchro en tournant. Oui, tout à fait, je pense aussi que ça a un truc danser ensemble ou quoi, mais... à voir. Attendez. Il y a un adulte qui danse avec un enfant. Ah, il y a une pub. C'est trop bien pour ton anniversaire, Katichou, ça. Mais vous voyez comme moi que il y a une adulte qui danse avec un enfant, et là aussi.
C'est trop bien! Il y a Michael Jackson derrière? Michael Jackson. Derrière quoi? Ah ouais, c'est ce que je dis, GGO, elles étaient trop loin. Que je disais aussi. C'est trop bien que les enfants et les adultes puissent danser ensemble, franchement. Enfin, une interaction. Mais oui, ils dansent. C'est trop mignon. Oh, Cathy Chou, merci. Ah non, pardon, Michael est offert à Cathy Chou. Ben, merci à toi, Michael. C'est trop adorable. Merci, 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 merci. Ah, c'était les vues d'avant, ok. Mais oui, enfant adulte, je suis fan. Et ça, ça fait partie de la danse ou... Mais en tout cas, c'est trop chou, hein. Franchement, je suis fan. Bon, là, après... Ah, elles sont en voyage de noces. Trop sympa. Je me demande si il y aura vraiment un truc voyage de noces. Ça a l'air assez paradisiaque, là, derrière, hein, quand même. C'est quoi, ce truc-là? Tango, ouais, peut-être. Bon, là, c'est classique, c'est des trucs qu'on connaît, à part que c'est le nouveau monde. Donc, apparemment, il y a du sable. Hé! Vous avez vu, il y a un cœur dans le sable. On va pouvoir faire des nouvelles choses dans le sable. Robe de la petite fille avec un cœur dans le dos. Attendez. Ah oui, c'est trop beau, j'avais pas vu. Mais vous avez vu le cœur dans le sable? C'est trop bien! Il y en a qui vont marier plus de Sims que d'habitude, c'est clair. Alors après, du coup, on a des trucs un peu différents au niveau culturel. Les pauses, quand ils sont en détente, ça a l'air toujours aussi coincé, c'est clair. Donc là, c'est plutôt sympa parce qu'on a des mariages un peu différents. Et du coup, cette tenue est magnifique. Après, les tenues plus traditionnelles, et elle a un truc qui va du nez jusqu'à l'oreille, là, je me trompe pas. Trop classe. Là, elle l'a peint. Je sais pas pourquoi il nous montre ça. On est censé voir quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, ou c'est quelque chose qui était déjà possible de faire un portrait? Je sais pas. Bizarre. Elles font la cuisine ensemble, ouais, jusque-là. Après, il n'y a pas l'air d'y avoir de nouvelles cuisines. Et puis là, elles vont le renouveler leurs vœux et on voit un petit peu du monde, mais pas grand-chose, hein. Nouvelle fleur. Dans les fleurs, ici, il n'y a pas l'air d'y avoir de nouveautés, mais c'est plus dans les montages comme ça. Cette arche est très très belle aussi, j'aime bien, très nature. Maintenant, ouais, ils posaient pas. Maintenant, c'est peut-être que pour le trailer qu'ils ont fait ça. En tout cas, il y a l'air d'avoir un beau coucher de soleil. Mais ce monde a l'air très... ça part un peu dans tous les sens. Le temps qui passe pour le renouvellement des vœux. Ouais, peut-être. T'as raison. Elles sont mignonnes, il faut bien reconnaître. C'est chou. C'est beau, hein? Ça a l'air sympa le monde, mais je me réserve un petit peu. Du coup, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'arrive pas très bien à savoir ce que j'en pense, en fait, pour être honnête. L'idée d'un pack sur le mariage ne m'embête pas plus que ça. Maintenant, c'est vrai que de ce que j'ai vu sur Twitter, qu'il y en a qui partageaient cet avis-là, que c'est vrai que c'est un truc qu'ils auraient pu compléter en jeu de base. Cela étant dit, je lisais ce que GGO notait. Oui, c'est fort possible que tout soit possible vu que c'est un trailer où t'as vraiment l'impression d'être dans le jeu, effectivement.
Donc oui, moi personnellement, le format Game Pack du mariage ne me gêne pas, même si effectivement ils auraient quand même pu ajouter ça dans le jeu de base. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Alors je peux me tromper. C'est peut-être juste une impression à cause du trailer, je ne sais pas. Mais il faudra voir en jeu comment ça se passe en fait. Rien à voir avec celui de Strangerville. Oui, clairement. Je suis là depuis tout à l'heure et pareil, je dis rien parce que je sais pas ce que j'en pense. Coucou Clève. On verra, il y a pas mal de trucs intéressants, mais je n'attends pas non plus grand-chose. Je suis trop contente pour les danses et une nouvelle plage, ça me plaît toujours. Une mise à jour. Pas d'avis, j'attends de voir quelle danse, musique. Les objets sont très sympas, mais on peut déjà faire de belles décorations, donc c'est le gameplay que j'attends. Ouais, c'est joli, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. J'ai hâte de voir si on pourra en construire. Ça me fait l'impression d'un monde de vacances. Je sais pas du tout si c'est un monde de vacances ou si c'est un monde où on peut habiter. Après, voilà, c'est vrai que j'attends un peu de voir quelles seront exactement les interactions qu'on peut faire pour l'organisation du mariage et tout ça. C'est clair que l'organisation du mariage en soi, on va peut-être pas faire ça chaque fois. Maintenant, moi, c'est vrai que le mariage, c'est un truc que j'aime bien dans le jeu. Je pense que quasi tous mes Sims se marient à un moment donné. Même si au départ, je me dis, allez, non, ceux-là, je vais pas les marier, ils vont vivre juste comme ça, ensemble. Au final, j'aime bien les marier quand même. Je sais pas, c'est un truc que j'aime bien, le mariage. Mais ouais, j'attends de voir, je suis un peu mitigée. J'ai aussi l'impression d'un mix, d'un monde de vacances. J'espère un monde mix résidentiel-location. Ça m'étonnerait que ce soit qu'un monde de vacances, hein. Ils ont plus fait ça vu qu'ils ont mis à disposition tous les mondes pour passer des vacances. Donc, le monde n'est pas assez dépaysant par rapport à ce que l'on a déjà vu. Mais il faut attendre la dernière image du monde a l'air plus sympa. Je suis d'accord avec toi, ça a pas l'air super dépaysant. Pas attiré par le thème, mais il y a des tenues déco sympas, contente pour le nouveau lieu en espérant qu'il soit habitable. Ouais. Ça ressemble bien à Monaco. En fait, j'en sais rien, j'ai jamais vraiment regardé à quoi ressemblait Monaco. C'est risqué si c'est seulement un monde de vacances. Ouais, franchement, je pense pas qu'ils vont faire ça. C'est vraiment dommage que le monde soit seulement pour les vacances. Donc, moi, je pense pas du tout que ce sera que pour des vacances. Après, je peux me tromper, mais j'ai vraiment pas l'impression. Pour ceux qui ont regardé le trailer avant de venir sur le live, est-ce qu'il y avait des paroles ou est-ce que c'était juste de la musique? Juste pour savoir si... Merde. Si... Pourquoi est-ce qu'il me montre ça sur l'écran alors que c'est que ce truc-là que je voulais mettre? Bordel. J'aimerais vraiment un nouveau monde car on a fait le tour des autres. Je suis mitigée aussi. Merci pour ton autopsie. Salut Jeanne Joséphine. J'y passerai pas pour un mariage. Bon, bah, je voulais regarder un truc, mais. Mais je peux pas parce que du coup ça s'affiche sur mon écran. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ah, c'est parce que je suis en capture d'écran. Ok. Alors si je fais ça. Voilà. Donc normalement, si je remets ça maintenant, ça s'affiche plus. Ok. Du coup. Ouais, non, bah j'ai toujours pas ce que je voulais, donc voilà. Tant pis, je voulais entendre de la musique quand même. Mais donc oui, si vous savez me dire ceux qui ont vu, si c'était que de la musique ou s'il y avait aussi des paroles, ce serait sympa. J'ai envie de me le refaire une fois quand même. Bon, mais par contre, la musique est un peu triste, donc ça m'embête. Alors attendez, il faut que je retrouve ma fenêtre. On reste sur notre fin, ouais, c'est clair. Alors,
Merde. Et de trouver Tad. Bon, ils ont pas des musiques sympas là. De la musique sympa. Il paraît que ça c'est de la musique romantique. Ouais. Alors, un tout petit peu de Simlish, ok. T'es pas vu, je suis venu direct chez toi, c'est gentil. On n'a pas tout le côté gameplay organisationnel qui ajoute du contenu. Non. C'est pour ça que je dis que je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas si ce sera bien. On verra. Pas hypé, mais au final, beaucoup de nouveautés. Le panneau semble servir à lancer les différentes activités en cliquant dessus. Ah, peut-être, ouais. Mariage musique. Non, mais c'est parce que je veux de la musique libre de droit, en fait. Je crois pas avoir fait plus de 3-4 mariages. Bah dis donc. Ah si, moi j'ai fait plein de mariages. Mais après c'est vrai que des fois j'ai la flemme d'inviter tout le monde parce qu'ils s'asseyent pas et tout ça, donc c'est chiant. On se le refait une fois. Sans arrêter. Avant de se quitter. Mais oui, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans leur trailer en fait. On n'a pas l'impression d'un nouveau monde déjà. Je trouve. Je pense que c'est ça peut-être qui manque, c'est l'impression qu'il n'y a pas vraiment un nouveau monde. Mon dernier mariage, le marié est mort, j'espère que cela ne sera pas le cas lors du... Je vais faire X-Pack. Et il est mort de quoi? La semaine prochaine, on aura un trailer gameplay, j'imagine aussi. On regardera ça ensemble si je suis dispo. Mais je me réjouis quand même de voir tout ce qu'on peut faire. J'ai une fois marié des Sims aussi dans ma partie Simself et mon mari est mort pendant la cérémonie, enfin juste après le mariage, pendant qu'il faisait la fête. Il est mort de rire. J'étais dégoûtée. Ça m'est jamais arrivé quand j'ai voulu le faire exprès, j'y suis jamais arrivée. Mais cette fois-là, bah, il est mort tout seul, quoi. Il s'est débrouillé tout seul pour mourir de rire. Et donc, bah, du coup, c'est comme ça que j'ai pu explorer un petit peu comment ressusciter un sim. Et je l'ai ressuscité parce qu'il venait juste de se marier, j'en avais besoin, quoi. Les robes sont moches. Ouais, je trouve aussi qu'il n'y a pas beaucoup de belles robes de mariée. On est d'accord, j'espère qu'il y en aura d'autres. Elles sont trop... pas très modernes, quoi. Pas très... un peu trop... je trouve pas le mot que je cherche. Un peu trop bonbon, quoi. Je sais pas. Mais par contre, pour les danses, je suis trop contente. J'espère que ça buggera pas trop. Après, il y a des belles robes, mais qui font pas forcément robe de mariée. C'est ça le problème. Mais dans les robes de mariée, ben, je trouve qu'il y a pas grand chose. Ça c'est trop bien, mais j'espère quand même qu'ils pourront danser un slow en étant un peu plus proches qu'à 3 mètres l'un de l'autre. Hein. Un peu plus amoureux quoi. Le tissu fait grossier, ouais. C'est pas assez fin, pas assez moderne, ouais c'est ça. Bon, bah du coup, voilà, voilà, on a regardé le petit trailer ensemble. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime toujours bien de découvrir ça avec vous. Je suis désolée pour le retard et pour les coupures de son qu'il y a eu ici et là. C'est vraiment chiant, mais bah voilà quoi. Je suis désolée.
On va se laisser là, du coup, parce que j'ai un autre truc tout à l'heure et il faut quand même le temps que je mange et tout aussi. Mais j'espère que ce petit pack nous fera plaisir, ma foi. On pourra quand même s'en servir et y trouver un certain plaisir, que ce soit dans la construction, dans le gameplay ou dans le casse et tout ça, quoi. Et j'ai hâte de voir la suite aussi, quand même. J'ai envie d'en savoir plus. Et puis, je sais que moi, je m'en servirai. Et du coup, pour tester le pack, il faut absolument que je joue, parce qu'il faut que je diplôme mes Sims, parce que je voulais qu'ils soient diplômés pour se marier. Donc voilà. C'est adorable, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Mickaël, pour les deux subs. Franchement, je suis gâtée, tu me gâtes trop. Ça fait trop, trop, trop plaisir. Merci, merci. Puis merci pour votre présence, surtout, ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite à tous une belle soirée aussi. Des gros bisous. Merci, merci, merci encore. Et puis, on se retrouve très bientôt, peut-être pour un gameplay, un trailer de gameplay, ou pour la découverte du pack ensemble, hein. À tout bientôt!